première vidéo spéciale, donc unboxing, vous voyez pas là, mais il y a trois beaux cartons, hein, de Candy San avec Pew. Je mettrai la page quelque part peut-être, ou en bas, hein. On verra. Donc on va commencer par le premier carton, hein, sachant que il y a des choses pour Pew, d'autres pour moi et d'autres pour un ami que vous avez certainement vu dans le vlog. Je vais au festival de Grenoble, je vais y aller. Alors, tu veux commencer? Oui. Bon, déjà très bien emballé, j'avais déjà ouvert les cartons. Voilà. La petite page Candy San. Bon, très bien protégé. C'est trop mignon. C'est trop chou. Je sais pas ce que c'est l'intérieur. Ça, c'est une page surprise Kit Kat, oui. Donc c'est moi qui l'ai pris, ça. C'est que je dise pas de bêtises. Je crois qu'il y a 6 sortes de Kit Kat différentes. Et le sac est juste trop kawaii. Lis les chats. Je vous montrerai après, ou je sais pas. On sort peut-être. Peut-être le sortir. Donc les différentes sortes de Kit Kat. Je crois qu'il est quand même assez rempli. Qu'est-ce qu'il y a? Avant, à mon avis, on va s'amuser pour savoir les parfums. Ils ont fondu, bien sûr, mais bon, là, ils ont redurci. Ça, c'est menthe, hein, ça, c'est écrit en anglais, c'est bien. Mais après, les autres... Ça... Je ne sais pas. Hein, si quelqu'un a une idée. Ça va pas être genre thé vert ou quelque chose comme ça? C'est ce que je me demande. Et ça, j'ai mis un truc de pack spécial, parce qu'il y a un petit bonhomme de pack. Si vous allez voir si ça fait focus, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, je crois qu'il y en a la seule que je vois, j'ai vu des couleurs. Ouais. Ça peut être un sac ou un, ça. Ouais. Bon, je pense que je ferai un gros plan final avec des photos. Tiens, on peut jouer toujours un bizarre. Ouais, celui-là c'est pareil, c'est. Cerise? Non, pas. Non, c'est une pomme spéciale de la Shinshu Apple. Ah, excusez mon accent. Et lui, il y en a qu'un, j'ai l'impression. Les autres, ils... Et lui aussi, il y en a qu'un. Les autres, ils y sont en deux ou trois fois. Putain, ils sont trop mignons, les papas, ils sont pas pareils. Ils sont trop chauds, regarde. C'est pas les mêmes. C'est trop mignon. Vas-y, sors le truc suivant, parce que sinon, ça sort. Ça, c'est. Un gacha. C'est moi aussi, c'était un gacha Pokémon. C'était un badge Pokémon. On ouvrira après. Tiens. Pourquoi tu me dis qu'est-ce que c'est? Oh lord. Parce qu'il y avait des nouvelles générations. Enfin, je sais qu'il y avait Flamme Yahoo qui était possible et les autres. Donc on va voir. Je vous cache pas que j'aimerais bien voir Flamme Yahoo. C'est vraiment bon. De toute façon, moi tu regardes. Oh, c'est Pikachu. Petit badge pour aller sur mon sac. C'est pour ça que j'ai été pris. Et c'est un Pikachu. Voilà, contre joue, c'est bien. C'est trop mimi. Bah, il ira sur mon sac. Pikachu et Pikachu. J'adore les gachas, c'est trop mignon. Bon, on va mettre là-bas parce qu'il va se casser les gueules. C'est bon. Non, on met de la gacha. Je crois qu'il y a mes zéro crisps aussi là. Tes zéro crisps Oreo. Ah. J'ai bafouillé. Tiens. Montre-les. Ça, j'ai testé aussi parce que je connaissais pas. À mon avis, ça doit se trouver un peu ailleurs. Mais là, c'est vraiment. Des Oreo vanille. En fait, c'est à la vanille, mais c'est des tout fins. Donc, c'est très croustillant. Tu vois pas comment c'est fin? Bon, j'ai jamais, je connaissais pas. Oh là là, la vidéo ça va être à l'envers. Bon, il y a écrit Oreo Crispy. Hein, vous pouvez pas lire. Mais t'as pris tellement de trucs. Oui, hein, c'était la grosse folie du mois. Je peux en prendre. Ouais, là je crois qu'il y en avait un pour toi ou deux. Ils sont deux pour toi. T'as deux. Et là il y en a un pour moi et un pour l'autre. C'est genre des brioches en fait. Ouais, mais j'en sais un goût particulier. Et puis surtout, mon avis, c'est super bon. D'accord, donc je connais pas du tout. Donc du coup, ça va être l'occasion de goûter. Vu que ça, je l'ai rajouté au dernier moment. Donc je l'ai même pas sur ma liste. Parce que la liste, je l'avais pas renouvelée. D'accord. Ouais, donc c'est des mouches tarot. Je sais vraiment pas. Je sais pas ce que c'est en fait. D'accord, on peut tester. Tarot, c'est noisette. Mochi, je vois pas le rapport avec les mochis. Parce mais que bon, ça a pas du tout la texture molle en ouais. fait. Ça a plutôt l'air croustillant. On verra, je sais qu'il y en a un pour moi et un pour mon ami. Un autre gacha. Toujours mal, j'en ai pris deux. Parce qu'il y en avait un, c'était Topicœur. Et je me suis dit, putain, si j'en prends qu'un et que je tombe sur Topicœur, je vais avoir les boules. Du coup, j'ai dit, j'en prends deux, comme ça. Si t'étais tombé sur deux Topicœur. Oui, non, mais...
C'est avant la poisse. Bon. Je vous appelle dans un mois. Quand j'ai besoin de vous. Oui, je pense. Je trouve dans le super, il y a... Ah si, il y a les... Ça, je sais qu'on a pris. Les jumeaux. Ouais, c'est comment ça se passe à la France. Je connais pas, et je crois qu'ils sont là, donc on va les tirer là. Quand trouvez les goûts, enfin, trouvez les goûts, ça va être un peu plus compliqué. J'ai les marrons. Oh, c'est Woolly. Bon, j'ai eu Pikachu et Woolly, tout va bien. Ah, ils sont mignons, ça aurait pu être pire. Focus, quand tu veux. Tu peux pas ne pas faire le focus sur Evoli, là. Non. Hydrochou. Du coup, je vois ce que je te disais, j'avais encore aussi. Du coup, j'ai encore une dernière, parce que j'avais Mickey. Oh. Et le bouquet est là. Ça, c'est juste au milieu. C'est bon, pour la Pokémon, tu l'as, c'est pas toi non plus. Oh, c'est moi, tu sais. Ouais, mignon, mignon. Mais c'est sûr. C'est qui est mignon. Oui, c'est une sorte d'élection, tu fais comment qu'il s'appelle. Je suis vraiment fan de Mickey. Bon, du coup, on va te sortir les humains, mais on va bien galérer parce qu'il y en a. Attendez, déjà, il y en a deux pareils là. Ça. Poulet. Tu l'as vu où? Bah, parce qu'il y a un poulet. Ah, ben. La meuf, certes, 10 ans. Non, bah, il y a un poulet en fait. Donc, je pense que c'est ça. Ça, c'est quoi? Mais t'en avais pris 3. Ça, ça m'a l'air de Tiafitori. Ah, il y a là le troisième. T'en avais pris 3, donc ça doit être ça. Ouais. Les 3 poulets. Ah, c'est ça, poulet curry. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des Umaibo. Et donc, ceux-là, ils sont au poulet curry. Voilà, je pense que je. Il est très bien. Après, je le mets à toi. Du coup voilà, c'est le même principe. En fait, c'est... tu sais pas ce que c'est non plus toi. Ah non, ça a l'air croustillant, ça a l'air salé, c'était bon. Ouah, il va pas faire le focus. C'est pas grave, on pourra toujours faire une photo à la fin. Ouais, c'est ce que je me dis. Ça, c'est un truc qui s'est fait, il l'a pris, ça c'est. Ah oui, c'est le même principe mais au fromage du coup. Qui a-t-il? Ça c'est à moi ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, je sais plus. C'est juste qu'il y a des trucs là. Vas-y. Tu as encore besoin de moi? Oui, en fait, voilà, tu as mis 6 ongles. J'ai pas mon couteau, c'est pour ça. C'est sûrement pour ça. Du coup, je regarde, hein. Au passage, Big Katsu. Je sais qu'il oui, c'est lui qui avait pris ça, mais c'est pareil, je sais pas ce que c'est, j'ai pas osé le prendre moi ça. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, pour tout vous dire. Apparemment, ça a le goût de. Pas du poulet frit, mais de quelque chose qu'ils mangent là-bas. Ouais, c'est le Katsu, je crois. Ouais. Mais ils ont fait ça, je pense que si tu touches, c'est tout. Ça fait un peu la texture de du bœuf séché, tu sais. Ouais, c'est vrai. Sachez que c'est lui qui l'a pris, moi j'ai pas osé. J'espère qu'il m'a pas goûté. La meuf qui frappe pas du tout. Ah, sachez ça, t'as rien. Oui. Non, j'ai pas du tout pris parce qu'il y avait juste l'illustration de Dragon Ball Z. C'est juste très faux. C'est la curiosité. Ce sera plus avec Dragon Ball Z Super, bien sûr. Du coup, c'est KB. Mais je trouve que le format de l'image en fait est sympa, c'est dommage que j'ai pas eu un personnage plus connu, hein, on va pas se mentir. Mais le principe est sympa, je pense que je l'offrirai à une amie qui est très fan de Dragon Ball Z, que ce soit les super, tous ceux qui y passent. Et donc au-dedans il y a des petites billes chewing-gum, voilà, toutes petites, hein, on va passer tout ça avec. Quoique, c'est vrai. Si tu les abattes trop vite. Je vais empoisonner déjà. Alors comment je vais peut-être y aller. Ça c'est des bonbons que j'ai pris. Encore des trucs Pokémon après. Ça c'est des gaufrettes qu'il a pris, ouais. C'est comme à la base on avait choisi des. Comment ça s'appelle? Des œufs surprises Pokémon Soleil et Lune. Sauf que le temps qu'on commande et qu'on ait fait les paniers, il n'y en avait plus. Donc on était au bout de notre vie, parce que moi j'en avais pris 2, il en avait pris 2. Et c'est des gens dedans, des figurines, mais de super bonne qualité qui faisaient cette taille-là. Et donc il y avait plein de marionnettes et tout ça, j'étais trop dégoûtée. Parce qu'il n'y avait rien approvisionné pas parce que c'était des éditions limitées. Ça c'est des bonbons que j'ai pris à la pêche japonaise. Je sais pas c'est quoi, c'est genre moelleux c'est... Et non, c'est, je crois que c'est à sucer, c'est tout. Ok. Bah j'en ai un là dessous, c'est des petites billes. Je crois que c'est petit il me semble, de ce que j'avais vu. Hein. Ça fait 3 semaines, 2 semaines qu'on a commandé. Mm-hmm. Donc le souvenir est pas très large. Je vais vous dire le nom quand même exact. Ou pas.
là. Ça s'appelle des Sonomanma. Ouais, Sonomanma pêche et soda avec. Du coup, ça l'a ramené et la pêche. Ok. Pour tester, c'était pas excessif le prix. Je vous expliquerai les modalités des tarifs aussi après. Des petites gaufrettes. Ça, c'est des gaufrettes Pokémon, oui. Donc, ça, c'est mon ami qui a fait ça. Ouais. Et pareil, je crois qu'il y a des élus. Parce qu'il y a le tulsant de papier. Mmh. Il y a des illustrations. Donc, si la flamme est où, je pleure. Concrètement, parce que c'est. Tu échanges avec un badge. Je vais peut-être essayer de m'y. Voilà. Donc, les emballages changent. Il y a deux emballages différents. C'est pas plus mal, je trouve. C'est sympa. Donc, c'est des petites gaufrettes, je pense, basiques. Ça, c'est du bœuf séché. Du coup, moi, j'ai fait une toute petite quantité. Et il y a pris un petit peu plus gros. Ah, ça je m'en souviens. C'est quoi, c'est une sorte de mini ramonée? Alors ça, ouais, c'est ça en fait, c'est des bonbons la ramonée. Apparemment, ils s'arrachent ça, ça fait des pastilles. C'est des pastilles, c'est dans une petite bouteille, en fait, dans une fausse bouteille ramonée. Ah, je crois qu'ils mettent des cadeaux. Oh. Je crois qu'ils mettent des cadeaux parce que ça, c'est des petits nounours qu'on n'avait pas pensé comprendre. Un petit échantillon. J'ai plus de chocolat, je sais que c'est lui qui a pris ça aussi. Je pense que je mettrai la liste avec les noms de tous les produits, ou alors vous demandez en fait. Si il y a quelque chose que vous voulez savoir, vous demandez et je vous répondrai en commentaire. Ça sera plus simple que faire une liste de 3 pieds d'eau. Ça, c'est à moi. Lui, il a pris un gros paquet donc il doit être plus loin. C'est un pack de la marque de ceux qui font les Umaibo. Donc okay. Il y a plusieurs trucs différents et donc j'ai deux Umaibo dedans. Ok. Un au burger, je vois, et l'autre, je sais pas du coup. Et il y a l'air d'avoir pas mal de choses, genre une sucette qui pique, un genre de chamallow si là j'ai l'impression. Mais je crois que je connais ces trucs là, c'est assez bizarre. Je vais devoir chamallow. Deux humidos dessus, là je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Ça a l'air sympa. Un petit truc à l'ananas, je sais pas ce que c'est, des petits bonbons. Je crois que c'est un ananas ça. Bah j'ai l'impression que c'est à moi alors ça. Ok. Je te mets tout ce qui est ananas et tout ça. J'ai dit des bonbons du Japon, voilà, on teste. Ça a l'air bien emballé. Ça c'est des mini Oreo. Ouais, mais ça je crois que c'est lui, c'est pas moi qui ai pris ça. Mais c'est une marque, c'est la même marque en fait que les gâteaux que t'as eu tout à l'heure. Mm. Il y a des trucs apéro, il y a pris plein de trucs comme ça. Ça c'est des gâteaux, ça ressemble un peu à des Oreos. Voilà. En fait il a pris plein de trucs genre. Ouais, il a vraiment tenté plein de trucs salés que moi j'ai pas forcément osé tenter. Ça c'est plus des biscuits salés il me semble. Et une sorte de chocobo dessus, c'est genre des mini chips. Ouais. Attends, je te laisse montrer, tu me fais une chose. Je peux faire aussi, hein. Non, jamais. T'as des trop petits bras, c'est que t'as trop petit. Je suis trop petite. Ça c'est des chips, voilà. Une sorte de biscuit chocolat. Mais toujours la même marque, ça c'est ce que je te disais. Non, chocolat, aucune idée. J'adore parce que c'est une marque avec un petit ours. Je trouve ça vraiment trop mignon. Je me sens les japonais, le packaging, c'est... Voilà, on va pas se mentir. Je crois que c'est pour toi les gros trucs. Alors ce truc là c'est pour faire des onigiri en forme d'animaux en fait. Donc des petits, un petit tigre, un petit... Cochon. Un petit ours et un petit... Je veux faire une grenouille. Une petite grenouille. C'est trop mignon. Bon, on en fera ensemble plus tard. Oui, on vous fera un petit tuto onigiri. Bon, on testera les produits je pense. Ah oui, non mais... Du coup, le temps qu'elle ouvre l'autre. Tous les onigiri. Si vous voyez, c'est genre trop mignon. Ça y est, du tout. Les allergies, merci. Excusez-moi. Hop, du coup, je te mets derrière toi, ce qu'il y a à toi. Tu lâches un chat. Oh, j'avais pas vu que t'avais pris celui-là aussi. Il est lourd, tu m'étonnes, c'est toi qui nous a coûté cher. Eh, mais celui-là, on dirait, tu sais, une sorte de. Comment ça s'appelle? C'est genre, tu mets ta feuille. C'est toi qui connais, moi je connais pas. Mais on dirait, c'est les sortes d'autocollants ou les trucs qui font des trous dans les feuilles, sauf qu'elle se fait dans les feuilles d'algues nourries. On peut se mettre directement la petite tête des chats. Mais il est trop chou et c'est bien lourd aussi. Il faut que je sois trop mignon. Et les pions, ils sont trop mignons. C'est une fan des pions. Oui. D'où son surnom, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va faire une sacrée séance au nigiri, je pense. Oui, on va faire plein de petits idées partout. Ah, ça je crois que c'était pour moi. J'avais pris des bretzel rilakkuma. D'accord, ok. Parce que bon, dingue un repas, je suis devenue fan. Voilà. C'est trop chou.
La meuf qui crache toute seule, c'est trop mignon. Ça sent, on dirait les bonbons d'Harry Potter, tu sais. Oui, et c'est pour ça que je les ai pris. Parce qu'apparemment, c'est pareil, c'est, c'est traditionnel. C'est un truc qui mange beaucoup là-bas. Ok. C'est des. Comment on appelle ça? C'est pas des dragées, mais presque des haricots. Ok. Parce que c'est pas super dur. C'est, ben, c'est comme les. Ce que tu m'as dit, les bonbons d'Harry Potter, c'est la même texture, mais c'est aux fruits. Donc il y en a au raisin, raspberry, c'est framboise, citron et kiwi. Et c'est que les fruits que j'aime. Donc je ne pouvais pas ne pas le prendre. Je suis une grande fan de tous ces fruits. Voilà. Pour rester dans les fruits, il y a ce truc-là. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est pareil, c'est moi aussi. C'est des bonbons de Magical Girl, un peu, non? Ouais, c'est ça. C'est la fois que j'ai trop bien, j'étais ouais. C'est des Emma, ça s'appelle, ces bonbons, et apparemment pareil, il y en a, tu peux avoir une boîte avec qu'un seul parfum, ou une boîte mélangée, c'est ce que j'ai pris du coup, et c'est pareil, c'est aux fruits, si je me souviens bien. Ouais, il y a mangue, pomme, pêche, pomme, et je crois le papier. Ah, on va s'en sortir, ou pas, ça va pas, je vous prends une photo, je sais pas, mais c'est des Emma. C'est dans une petite boîte, quoi, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est là? Ok. Ah! Ah oui, parce qu'il a pris du curry. Ah oui, ok. Du curry, franchement, moi je l'ai pas osé. Prendre comme ça sous vide. Pâté pour chien, excusez-moi, moi je connais le golden curry qui est une sorte de pâte que tu casses pour prendre des curry, mais celui-là, non, j'avoue que la texture elle donne pas très envie. C'est très mou, c'est genre. Je sais pas si vous voyez les sachets de pâté pour chat. Je sais pas si t'as un chat. Oui, oui, c'est mon chat il a ça, c'est des. Je vais pas en mettre la marque, mais il a des sachets comme ça, et qu'un jour c'est la même texture. Tu vas regarder cette vidéo, il va dire je vais jamais le manger le truc, c'est tellement. Non, non, c'est pas pour se dégoûter, c'est que c'est vraiment la texture. C'est chaud quand même. Oui. Alors. Qu'est-ce que c'est ? À l'orange. Est-ce que c'était moi ou pas ça ? Parce qu'en général, j'aime pas l'orange, mais est-ce que c'est moi qui avais compris ça ? Parce que des fois, je fais des trucs un peu contradictoires et mes goûts, hein, franchement. Tester un petit peu. Oui, je crois que c'est moi. Yuzu et. Ou alors ils se sont plantés. Si, si, y a le... ça fait le dessin du miel derrière, donc c'est ça, okay. Et yuzu et miel. Oui, bah oui, c'est un citron en fait. Ok. Donc c'est ça, des bonbons au yuzu et miel. Voilà, yuzu, donc yuzu citron, typique. C'est typique de là-bas, c'est le citron japonais. Okay. Enfin, moi je le vois comme ça. Si je dis une bêtise, dites-le moi. Moi je ne maîtrise pas ce que je sais juste que je suis une fan de citron, yuzu, tout ça, donc c'est la raison. T'as, enfin, je range le bordel après. Orange. Ça, je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? J'ai pris des gâteaux Sakura. Ah. Alors, ils ont failli être un rupture de stock. Je sais pas comment on a fait, mais au moment où j'ai commandé, il est revenu en disponible. Et j'ai eu une chance. Mais phénoménal. Et genre, la boîte est trop mignonne et c'est des petits cakes on comme ça. C'est une sorte de petite couronne en fait. Ouais. Et genre, au Sakura. Et j'ai toujours voulu goûter. Et sachant qu'ils vendaient pas les Kit Kat au Sakura, c'était mon pire malheur, hein. J'ai fait, on tente ça et la boîte est vraiment trop mignonne. Genre comme ça, et sur le côté là, vous voyez les petits gâteaux.